Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Avant de commencer le tirage, ben vous avez pu constater hein, samedi dernier que ça a pété un petit peu partout, surtout à Paris, ça a bien tapé. Malheureusement, il y a énormément de blessés. Il y a. Tiens, fais un coucou aux gens. Allez, ouais, mais tu me poses ton biberon. Tu dis coucou? Coucou. Tout? Ah bah alors, t'avales le travers? Tout? Le? Le Monde. moi. Voilà. Fais un coucou avec ça, la mimine. Lève la mimine, on voit pas ta mimine. Que ça. Voilà. Bon. Donc comme vous avez pu le voir, hein, ça a tapé à la manifestation de Paris. Fallait s'y attendre, malheureusement. Non, non, attends bébé, non, bébé, ça suffit, commence pas. Un truc que je voulais signaler parce que j'ai vu, je suis quelques groupes de gilets jaunes. Je suis pour les gilets jaunes, hein, vous inquiétez pas, je suis même, si je pouvais faire plus, je le ferais. Parce qu'il y en a un peu marre de la situation. Non bébé, tu laisses. Commence pas. Désolé, hein, mais monsieur est intenable. Voilà, vas-y, descends. Non, non, tu ne prends rien, s'il te plaît. Ma maman va changer, elle va changer les fesses. Aïe, merci mon pied, c'était mon pied ça. Voilà, moi j'ai vu des choses qui m'ont pas plu, genre oui, il faut tuer du flic, il faut leur balancer de l'acide de batterie, il faut leur lancer de l'acide chlorhydrique. Je vous rappelle, messieurs, dames, que c'est des gens comme vous et moi, c'est des humains. Ils sont tous mariés ou avoir des enfants, etc., etc. Je sais que malheureusement, bah, ils font leur boulot. Hein, eux, ils pensaient à la base, comme tout le monde, comme beaucoup, servir la protection du peuple, mais en fin de compte. Bah, ils protègent surtout l'oligarchie, on va dire, et je peux vous dire qu'ils ont ils sont là et ils ont peur de perdre leur travail. Faut se mettre à leur place. Et c'est pas en les insultant, comme je l'ai vu, ça avancera quelque chose. Là, ce qui s'est passé samedi, c'est surtout ce que j'appellerais de la racaille de banlieue qui est venue casser du flic, qui a foutu le bordel. Mais bon, quand je vois des commentaires comme ça, je dis attends les mecs, on va peut-être calmer le jeu quand même. Hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je suis désolé d'être franc avec vous, mais moi, c'est ce que je ressens. Hein. Faut peut-être le respecter. Bon, on va faire le tirage. Parce que là, ça devient dur, dur. Moi, je vous conseille, hein, faites des ravitaillements. Boîte de conserve, pâtes, riz, enfin tout ce que vous pouvez qui se conserve, de l'eau. Parce que là, on arrive dans une phase assez critique. Donc là, je pense bien entendu à ce qui va se passer cette semaine en France. Voilà. Je vous rappelle aussi que. L'Allemagne, à partir d'aujourd'hui, commence à faire des blocages, en gilet jaune aussi. La Belgique aussi, c'est déjà commencé. D'ailleurs, la Belgique, ça fait déjà un petit moment que ça commence. Parce que nous, on va chercher le tabac en Belgique. On est à 30 km de la Belgique, donc on va aller chercher notre tabac là-bas. C'est largement moins cher. Donc voilà. Tracia, Caroline, Josette, Carina, elles m'ont donné le 15. Nous avons le diable en droit. C'est vrai qu'il y a énormément de colère. Frédéric, Kevin, Violette, Claude, Marc-Isabelle, Marie-Laure, Christophe, Christiane m'ont donné le 8. Le pape en vert. Azu, Christian, Dorothée, Nicole, Aurore, Marie-Christine m'ont donné le 2.
Le char en droit. Michael, Marie, Émilie, Denise, Pascal m'ont donné le 12. 12. Le pendu en vert. Samuel, Marino m'ont donné le 10. Nous avons les étoiles en droit. Laurent, Blanchette, Cindy, Lynn m'ont donné le 3. La lune en vert. Anne-Marie, Nicole, Sabrina, Stéphane, Élise, Martine, Olivier m'ont donné le 7. La tempérance en vert. Cécilia, Jérémy, Geneviève, Béatrice et Françoise m'ont donné le 13. Le jugement en droit. Iode, bienvenue d'ailleurs, Iode. Et Jean-Pierre m'ont donné le 14. Le monde en vert. Alors moi par rapport, qu'est-ce que je fais par rapport à qu'est-ce que je ressens par rapport à l'analyse de mes cartes et plus mes propres ressentis. Savoir que je fais avec les deux, hein, mes propres ressentis et les cartes. Il y a toujours cette colère et ça c'est tout à fait légitime vu la situation actuelle. J'ai toujours le départ de Monsieur Macron hein, et puis de pas mal de trucs. Moi, ce qui me fait peur là, c'est que Monsieur Macron, avant de démissionner, on va dire, d'être obligé de partir, mette l'état d'urgence. Et là, ça va faire du vilain parce que là, les CRS vont être obligés. Bah de taper dans le tas pour pouvoir faire évacuer les gilets jaunes des différents points qu'il y a. Ce que j'ai peur, c'est qu'ils soient obligés d'utiliser ce qu'on appelle une arme létale, c'est-à-dire arme de poing et puis mitraillette, etc., etc., qu'on leur oblige de tirer sur le peuple. Il faut savoir que là, les syndicats de police à la télévision, c'est passé sur BFM TV. Hier, je les ai écoutés en direct. Ils le disent eux-mêmes. Ils en ont plein le cul de la situation. Ils en ont marre. Ils sont à bout. Ils sont complètement épuisés, les pauvres. Vous allez me dire, tant pis pour eux. Et franchement, quand ils partent bosser le matin, quand ils commencent leur journée de boulot, ils vont travailler avec la peur au ventre, parce que, comme je vous rappelle, hein, c'est des citoyens comme nous. La seule différence, c'est que, ben voilà, ils ont pris ce métier-là pensant protéger les Français, puis en fin de compte, ils se retrouvent à essayer de protéger une oligarchie, en l'occurrence, Monsieur Macron. Mais je peux vous dire qu'ils en ont gros sur la patate. Vous allez me dire, ils pourraient se mettre en arrêt maladie, ceci, cela. Ils ont quand même des familles derrière, etc., à nourrir. Ils sont comme nous, hein, ils ne gagnent pas des milliers de cents. Hein, voilà, comme je l'ai dit dans une vidéo, coup de gueule que j'ai mis sur mon mur personnel, il y a des personnes qui sont largement plus haut placées et qui gagnent des véritables fortunes. En l'occurrence, les questeurs à l'Assemblée nationale, et ça, je trouve ça scandaleux, qui gagnent une prime de chauffage au mois de décembre, qui est payée cash, de 6 000 euros en prime, soit l'équivalent de 6 mois de 6 mois de salaire pour un smicard. Mais ça, c'est entre parenthèses, où par exemple, les jardiniers qui d'entrée, les jardiniers à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ont la prime de nuit, ils ne font que 32 heures, ont la prime de nuit d'entrée, comme si ils allaient tailler les rosiers à 2 heures du matin.
Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Donc il y a des petits trucs comme ça qui font que ça énerve un peu les Français. Je rappelle aussi un truc très important. Il faut savoir que l'État est en train de mettre en place la même taxation du diesel sur ce qu'on appelle le fuel domestique. Donc ça va être de plus en plus difficile de se chauffer quand vous êtes dans un milieu rural et que vous avez une chaudière au fuel. Donc voilà, on essaie de faire une politique écologique et en fin de compte, quand je vois qu'un seul bateau, un seul porte-container par exemple, à quai pendant 1 heure, pollue autant qu'un million de voitures. Et on vient dire que c'est les Français les pollueurs, alors qu'on est en Europe, on est les meilleurs au point de vue qualité anti-pollution. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, donc moi je vois que Monsieur Macron va être obligé de partir par rapport à la colère du peuple qui monte et qui monte et qui monte. Le deuxième tirage, je vais le faire sur la future manifestation de samedi. Mais voilà, donc il va y avoir ça. Pour l'instant, je ne vois pas personnellement pour la semaine à venir la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que M. Macron sait très bien que s'il le fait, il va perdre énormément dans l'histoire. Parce qu'il faut savoir que les députés LREM sont un petit peu comme des moutons à obéir à leur petit roi soleil. Donc voilà, mais je rappelle à Monsieur Macron en passant, et ça c'est personnel, Monsieur Macron, rappelez-vous Louis XVI, qui méprisait son peuple, comment il a fini? Je dis que ça. Voilà. Donc il y a une réussite qui se prépare en France, et en l'occurrence, c'est le départ de Monsieur Macron. Malheureusement, voilà, moi j'ai ce sentiment qu'il va y avoir cette mise en place de l'état d'urgence et là, ça risque de faire du vilain. Donc voilà pour ça. Je vais regarder pour la manifestation de samedi parce que samedi, bah, ça va recommencer, hein. Il va y avoir remanifestation à Paris. Voilà. Donc je tourne ma feuille. Là en ce moment il y a justement à Paris il y a l'Est Bernard. Là il y a une grosse manifestation, enfin il y a un blocage à Paris à l'Assemblée nationale. Les ambulanciers qui se mettent en qui manifestent et ils ont tout à fait raison parce que j'ai entendu ce matin ce que l'article 80 prévoit, c'est scandaleux. C'est surtout pour profiter qui ça va profiter. Par exemple, à une société qui s'appelle Keolis, qui appartient à la SNCF, c'est pour ça que la SNCF, on n'entend pas parler en ce moment, où ça sera carrément on va dire, du covoiturage, ça, des minibus, où il y a 12 ou 15 places. Ils feront une petite tournée pour prendre les personnes qui doivent être aller en soins, etc., etc. Et donc ça va être un troupeau quoi. On va parquer les moutons dans la voiture, on va emmener tout ça à l'hôpital et bah, le premier qui sera passé devra attendre les 11 autres, c'est-à-dire qu'il va attendre des heures et des heures à l'hôpital en attendant que tout le monde soit passé et repartir avec les ambulances, enfin l'ambulance en question, enfin le minibus quoi. Et ça coûtera 5 € par personne. Je les comprends énormément, sans compter le prix du carburant qui est en jeu. Alors, pour la manifestation de samedi, Niki m'a donné le 19. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nous avons le pendu en droit. Véronique, Claudie m'ont donné le 6. La justice envers.
Loïc, Josette, Stéphanie, Violette, Irma, Dominique m'ont donné le 9. Merde. 8. Le Monde, Endroit. Billy Bob, Christine, Sylvie, Françoise, Marie-Laure m'ont donné le 5. La Force, Endroit. J'avais peur de l'avoir cette carte-là et malheureusement elle est sortie. Ruffray m'a donné le 6. Le diable. Eh ben putain. Endroit. Excusez-moi hein, du mot, mais voilà. Là, ça devient. Par rapport à mes cartes, là, ça devient chaud, quoi. Fifi, Marie-Julie, Marie-Thérèse et le monde m'ont donné le 18. 18. Le pape. En vert. On retrouve Monsieur Macron en vert, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'en va. Jean-Marie, Nanou ont donné le 1. Voilà. Le fou en vert. Donc il y a quelqu'un qui s'en va. Monique m'a donné le 22. Les étoiles en vert, frustration. Et Delphine et Hubot m'ont donné le 17. Et nous avons le monde en vert. Alors je remercie Michael et Isabelle qui m'avaient donné le 21 et Monique qui m'avait donné le 4. Mais bon, voilà, j'avais assez de cartes donc. Je m'en suis pas servi. Désolé. Ça sera pour le prochain, ne vous inquiétez pas. Pour lundi prochain. Alors, qu'est-ce que je constate, moi? Comme je le disais tout à l'heure, hein, pour samedi prochain, la violence va encore monter d'un cran. Malheureusement. Là, j'ai franchement le peur que, comme je le disais tout à l'heure, Macron va essayer de mettre l'état d'urgence en place pour interdire toute manifestation, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que même les syndicats, qui eux, n'aident absolument pas les gilets jaunes, et puis peut-être que tant mieux, parce que de toute façon, les trois quarts des syndicats, on va pas le cacher, hein, on retouche des subventions de l'État énormes. On prend simplement le cas de la CGT, où les principaux dirigeants de la CGT, je peux vous dire qu'ils vivent bien, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de violence. Et comme je vous dis, j'ai bien peur que malheureusement l'État oblige les CRS et puis les policiers à faire usage d'armes létales. Et ça commence à devenir un peu grave. Il y a eu pas mal de blessés, il y a eu plus de 235 blessés, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, il y a eu pas mal de blessés samedi dernier. Là, ça commence à m'inquiéter parce que il va y avoir. Là, ça va faire du grabuge, ça va vraiment taper quoi. Et ça me fait peur. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que la semaine dernière, je me suis pas trompé quand j'avais annoncé que le samedi, ça allait être violent. La preuve. Mais là, ça va être pire. La violence commence vraiment à monter. Donc voilà, j'ai peur que de ça. Tout le monde veut le départ de Monsieur Macron, mais Monsieur Macron lâchera pas comme ça. Il dissoudra pas l'Assemblée nationale pour l'instant. Il sait très bien que s'il le fait, il va perdre sa majorité de moutons. Donc il va déjà commencer par instaurer le truc, vous savez, je me rappelle plus du nom, l'état d'urgence pour justement empêcher les blocages, empêcher les points de rassemblement des gilets jaunes.
J'ai une mauvaise idée, enfin j'ai une mauvaise vue, vision cette nuit où je voyais justement un endroit où il y avait des personnes en gilet jaune et la police où la personne disait qu'elle allait faire usage des armes. Et bon, ça va, la police, au lieu de les CRS et policiers, au lieu de tirer dans la foule, commencent déjà par balancer des rafales en l'air. Seul problème, c'est qu'en face, dans ma vision, ça répliquait avec les fusils de chasse. Et j'ai bien peur que ça, malheureusement, ça se finisse comme ça, où il va y avoir vraiment une guerre civile en France. Donc c'est ça qui me fait peur. Par contre là c'est le citoyen qui parle, hein, c'est pas le voyant. J'ai lu un article important il n'y a pas longtemps. C'est pas du racisme, hein, c'est juste de l'observation par rapport à tout ce qui se passe en France. Faut savoir que il y a eu un accord avec l'Algérie. Monsieur Macron a signé un accord avec l'Algérie. C'est-à-dire que tout Algérien qui a besoin d'être soigné et qui en Algérie ne peut pas se faire soigner en Algérie pourra venir se faire soigner gratuitement en France. C'est soi-disant un accord entre interhôpitaux entre l'Algérie et puis la France. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Deuxièmement, vous savez que le 10 décembre, Monsieur Macron doit signer un accord de l'ONU au niveau de la migration. Et donc en deux mots, ça veut dire que l'État devra prendre en charge tout migrant qui viendra sur son territoire, c'est-à-dire le loger, le blanchir et le nourrir et lui donner un peu d'argent de poche pour pouvoir vivre en France sans travailler. Il y a déjà des lois qui sont passées, en l'occurrence une loi qui est passée pendant la, j'en ai déjà parlé, hein, une loi qui est passée pendant les manifestations du mariage pour tous, où Monsieur Hollande a fait ratifier une loi. Qui est quand même assez importante, c'est-à-dire que tout étranger qui vient vivre en France avec une de ses femmes et une partie de ses enfants touchera les allocations familiales pour les enfants qui sont en France, mais aussi pour les allocations familiales pour les enfants qui sont restés au pays. Donc moi, par exemple, je suis marocain, je dis ça comme ça, mais voilà. Je me fais faire 4 faux certificats de. Enfin, j'ai 2 enfants, je fais 4 faux certificats de naissance avec une femme X. Je viens vivre en France, je porte les papiers et je touche les allocations familiales pour 6 enfants alors que j'en ai que 2. Et c'est pas la CAF qui va les contrôler, voir si c'est vrai ou pas. Au Maroc, puisque de toute façon, en plus, il y a une loi qui les interdit de le faire, d'aller contrôler, voir si c'est vrai ou pas. Oui, il y a aussi la retraite. C'est pareil, il y a des personnes qui sont en Algérie ou au Maroc et qui vivent, enfin, qui sont là-bas et qui touchent encore la retraite alors qu'ils ont à première vue 120 ans. Voilà, donc il y a quand même quelque part, excusez-moi du terme, mais une couille dans le potage, hein. Excusez-moi du terme, mais voilà. Il y a aussi le fait que un couple de retraités qui a plus de 65 ans, qui n'a jamais travaillé en France, mais qui vient s'installer en France, touchera une retraite pleine, c'est-à-dire 1100, je crois que c'est 1150 euros, sans avoir cotisé en France. Voilà, nous qui sommes au RSA, je peux vous dire qu'à la fin du mois, je peux vous dire qu'on les compte les centimes. Eh oui, on est Virginie et moi, on est au RSA, hein, faut pas croire, hein, le site nous rapporte pas un centime.
Donc voilà ce que je voulais dire. Je rappelle donc, attention samedi, hein, ça va risquer de faire des étincelles. Ça va être plus que des étincelles là, parce que là il va y avoir vraiment le feu. Il y a eu des vidéos aussi qui traînent sur Facebook où on voit des policiers se préparer pour rejoindre les manifestants et faire de la casse aussi, hein. Il y a eu pas mal de casse avec les policiers. Voilà. Mais donc voilà ce que je voulais dire. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à 14h pour ceux qui veulent faire la connaissance, ma connaissance, discuter avec moi. Je vous rappelle, on va pas vous forcer à prendre un forfait. Loin de là. C'est les gens qui décident de le faire. Le site est ouvert à partir de 14h jusqu'à 23h. Pour les autres jours, allez sur le Facebook de Cabinet Medium. Vous allez dans À propos et c'est horaire, c'est ça? Dans mon cœur. Pour les horaires. Oui, non, non, mais pour aller voir les horaires d'ouverture. Dans À propos, sur le Facebook de Cabinet Medium, vous allez trouver les horaires d'ouverture. Et pas sur le site, sur le Facebook de Cabinet Medium. Parce que là, il y a une personne qui nous a demandé. Ça m'a bien fait rire parce qu'elle a dit, elle a marqué. Bon, de toute façon, je vais rester avec vous à 14h quand le site sera ouvert. Voilà, mais regardez sur le site, pas sur le Facebook. Pour les horaires, regardez sur le Facebook de Cabinet Medium. C'est pareil. Pour les chiffres, c'est sur le Facebook de Cabinet Medium à la parution du samedi, du samedi soir, du dimanche soir, 18h. Il y a des personnes qui ont été mettre un chiffre sur quand on signalait que le site était ouvert. Ou sur la soirée relaxation, qui d'ailleurs il y a une soirée relaxation vendredi. Donc si vous voulez vous relaxer vendredi avant le bazar de samedi, venez sur le site, inscrivez-vous, l'inscription est gratuite, le chat public est gratuit, la soirée à thème est gratuite, il n'y a que la voyance qui est payante. Sur ce, peut-être à cet après-midi.